AKR a entré en lice la compétition si là côté demain à partir de 2h à la cour Jamaïque gagné équipe Atletico et Pontoya face à équipe AKR qui sorti dans pays et d'Haïti nous connaît qui était remporté championnat national deux premières divisions. Deuxième match AKR c'est bral pour dimanche 9 février à 6h Portmore United AKR Football Club la CONCACAF des clubs champions et vice et champion na assurer na essayer parler avec staff et technique équipe AKR mais nous connaissons que le Don Bosco de Pétionville dans groupe pas là il était éliminé et deux équipes qui étaient qualifiées c'est Waterhouse et Sibao qui étaient qualifiés yo même pour les demi-finales la CONCACAF des clubs champions et vice champion qui a fait demi-finale ça fait le 8 mai qui a pas venu là n'a pas toujours été avec information yo nous songeons il y a trois jeux olympiques Tokyo 2020 la football féminin équipe haïtienne était éliminée elle finit en troisième position dans groupe là dans dernier match elle a gagné Panama 6-0 pour la sélection senior féminine. Équipe qui qualifie yo qui États-Unis et Costa Rica qui qualifie pour les demi-finales. Demi-finale ça veut fait c'est là pour demain demi-finale la jeu éliminatoire jeux olympiques Tokyo 2020. Et puis il y a tout automatiquement de leur qualifier encore pour les deux demi-finales, il y a Costa Rica et Canada et pour les demi-finales là éliminatoire jeux olympiques de finaliste automatiquement il y a tout qualifié, il y a monté en première, il y a tout qualifié pour les Jeux Olympiques et qui va le faire le pays Tokyo pour 2020, été 2020. Et Jeux Olympiques, c'est 22 juillet au 8 août qui a parvenu là. Déjà, son été qui va le charger en pile avec un pile activité sportive. Bralgué Coupe América, Bralgué et Coupe d'Europe des Nations, Bralgué Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est-à-dire que là, un bel package. Nous connaissons, on a préparé tout. Nous-mêmes, pour nous porter un bon produit pour vous, pour tout un rendez-vous, savoir qui gagne au niveau international. Et en 2021, nous connaissons la Coupe des Confédérations et bien gagne tout, la Gold Cup. En parlant de la Gold Cup, Haïti a bien pour jouer lui-même les matchs de barrage. Gold Cup, c'est bien en juin qui a venu là. Mais le mois de mars, la période et FIFA, n'a bien pour jouer deux matchs amicales. N'a bien précision ça avec le président fédération haïtienne de football, Dr. Yves Jean-Bart, que nous avons supposé demain comme invité nous pour nous faire parler de nouveau mandat ça de président fédération haïtienne de football là docteur Yves et Jean-Bart. N'a pas arrêté toujours avec football là mais football là c'est en troisième division on connaît que gagner un peu le monde qui besoin connaît comment que équipe programmée jeudi à qui là que Mathieu a joué en troisième division c'est playoff yo c'est les huitièmes de finale en troisième division lors qu'en troisième division on bataille pour monter en deuxième division le en deuxième division on bataille pour monter en première division troisième division playoff yo c'est bral à partir de jeudi à la PAC Saint-Victor à 3h et classique football club de Wanamet tape joué avec AS et Limonade. Le toujours jeudi à la PAC Nouvelle de Saint-Marc à 2h, Guy Ligi is tape avec Expert Football Club. Toujours jeudi à la PAC Gérard Christophe de Léogane à 2h45, match a commencé. Équipe petit toujours là, c'est AS Roche Abato contre Solution de Petit Gouave. Lundi, Roche Abato, en pile moun Roche Abato. Elle fait déplacement, puis elle supporte l'équipe. De même que tout, un peu le monde et Tigouave descend, puis elle supporte solution. Surtout que la playoff, l'équipe Tigouave là, que l'équipe Grand Gouave là, il va passer étape là, puis il va monter en première division. Là, il a besoin de mettre l'équipe ça en deuxième division. Roche Abato, c'est pays, ils ont mis nous en face à là, qui c'est Tigouave là. Roche Abato, solution, football club. Le stade Silvio Caton qui est déposé football club. Bon, il va rappeler mais qui zone qui sont déposé football club avec contre Milan le Miraguana. En plus Miraguana qui est la capitale là, ou même mon Nip a besoin de supporter équipe à Milan ça. Mais c'est que un club d'expérience charmant et amis dans football vétéran Nek Nip ça et même yo Kavin supporter équipe ça, gagné Fleury Mato et un nouveau membre de la fédération haïtienne de football que vous connaissez nous et mon Miraguana et même et descend à supporter équipe ça, équipe ça du 3e division.
division. C'est son fierté pour nous dans zone ça alors que l'équipe arrive dans phase ça pour essayer que je te ramoter en deuxième division parce que plus monde avec nous matin surtout monde qui la ville et dans diaspora besoin comment équipe zone. Je dis à tout gagner match deuxième match à 5 dans stade là AS Troutier de Jean-Omer Anias monsieur Troutier au Carrefour encore en bataille au niveau de 3e division AS Troutier contre FC Toro. FC Toro tout nous connaît l'école de football qui a joué dans 3e division et là un peu mon FC Toro a fait déplacement et puis pile monde Carrefour connaît qui équipe et jusqu'à là a raté occasion pour le démonter en première division là il va supporter AS Troutier pour qu'il ta monter en 2e division et c'est tout c'est monté en 2e division là va remplir l'équipe en Barcelone et le docteur Medina Garcia 2e division jusqu'à 2e division Troutier 2e division là nous connaît que gagner en pile monde même genre que nous même les groupes Jean Anzulfo et Carrefour nous va calaguer équipe ça AS Troutier déjà courage et au combat les affaires route là pour essayer de remonter en 2e division nous connaît tout et au monde coco magistrat Julien Edouard Pierre il pas plagué AS tout c'est pas plagué sport pas gagné santé éducation dans commune c'est monde qui pour communier en charge qui défend qui bataille et pour communier et son fierté chaque temps que Noël lui même comme président FENAM c'est représentant nous et lui même comme représentant et comme président FENAM en tout cas équipe tout c'est ça li la bataille et puis là vendredi demain il y a match à venir parc Level à 2h qui est Epidja de Haut Plateau contre GSM de Bas Plateau dit que balgon bataille entre Haut Plateau et Bas Plateau là oui match ça et puis dans stade Sylvio Kato demain il est expérimenté il va dire dans qui zone qu'il sorti la joue contre AS Saint-Michel ça veut que c'est AS Saint-Michel de la Talaïa il a précisé pour moi en tout cas c'est bras demain à 2h45 et puis gagner et à 5h dans stade là demain toujours il y a UST avec Star 609 yo encore yo pas maintenant et USTA définitionné yo pas voir vous nous là déjà c'est monde qui c'est équipe qui c'est dans zone qui est peu reculé qui même avec que zone aurait été 5 pas gain activité et yo mettez activité yo créer yo même des ambiances dans zone ça parce que lorsque on fait activité comme ça la commune quand on sorti c'est un gros bagage que lié c'est un genre pour que on mettez tout le monde l'activité ou fait sport ou fait social ou fait éducation ou fait santé qui très bon et ça que toujours demandé c'est l'autorité yo même dans zone que sorti à faut que yo accompagner les gens d'activité ça yo là basketball et HBAC ouverture la cérébrale pour le 15 février qui a pas venu là et côté que le 15 la ouverture HBAC à 4h30 pour aller gagner Sogebank Télémégastar le choc des titans dans ouverture la cérébrale 10 méga marché titoni de Anthony Bennett qui retourne là basketball et corporatif là on a prétendu retour hein Patrick Zimoné des produits bon goût dans compétition et c'est là déjà ma 10 méga marché titoni c'est pas face à face avec deux belles entraîneurs qui n'ont compétition ça c'est Sébastien Pétion plusieurs titres et puis contre Ashley Salomon de marché de Titoni et ce j'ai beaucoup qu'à préparer ils font belle figure Anissa animation DJ Peter Mix Tabou Ben 4x4 Mélodie Rara entrée fixé à 200 gouttes et puis gagné et basketball tout et l'ansiba c'est bral là ouverture compétition la catégorie cadette féminine il va gagner puis au commencer c'est bral vendredi 14 en belle date date mon et amoureux c'est 14 février c'est Valentin bal gagner collège Marie Reine Immaculée contre collège Mix et Cousini et puis gagner collège la gagner catégorie junior garçon à 3h collège Mix la Matinière contre et CMC et puis la catégorie junior garçon toujours gagner collège et Saint-Pierre collège les normaliens réunis c'est Bimix qui va créer animation DJ Peter